Bon, j'espère que vous perdre en forêt, vous. C'est pour ça. S'il y a des chasseurs qui vous prennent pour des lapins... C'est nos femmes qui vous obligent de mettre comme ça. Ouais. Oh, voilà. Et elles viennent pas? Non. Ah putain, c'est dégueulasse. Putain, mais il y a toujours les mêmes. Toujours, partout. Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est pas le Paname Gravel Ride ici? Bah, on part de Paname, hein. Mais passer le périph', on disparaît. T'as toujours l'intention de faire ça en deux jours, toi? Ouais. Bah, je suis blessé, donc normalement, Fontainebleau, ça serait bien. Ah. Bon, bah, tu casses pas tout? Je prends la sangle. T'as pas pris la sangle pour les enfants? Ouais, à tout à l'heure. À toutes. Ça y est, on est sorti de Paris. On a rejoint le bord de Seine que vous pouvez voir sur ma droite. Et ça avance tranquille. Je suis dans un petit groupe à une vingtaine de kilomètres. Alors, si on continue comme ça toute la journée, ça peut le faire. Est assez joli. On alterne bord de Seine, petit bout de forêt, un petit peu de route. C'est relativement roulant. Et donc c'est très sympa et en plus il fait super beau aujourd'hui. Donc ça c'est cool. Je suis pas sûr que ça soit la même sur les autres jours. Mais bon, on va profiter de cette journée déjà pour démarrer. Oh putain, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Petit tour par le cimetière pour aller chercher de l'eau, bien sûr. Alors, pour vous expliquer un petit peu le concept, Along, c'est une épreuve bypacking qui peut faire cette année. Je ne sais pas si les années précédentes c'était comme ça, mais au choix 450 ou 600 km et qui va de Paris à Dijon. Donc c'est pour ça que toutes les personnes que vous voyez sont équipées de sacoches avant, arrière, enfin, sacoche de sel, sacoche de guidon, etc. Parce que certains comme moi emmènent leur matériel pour dormir la nuit. Moi j'ai prévu une tente, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Et puis d'autres ont choisi l'option confort en allant soit dans des hôtels, soit dans des Airbnb. Ça y est, je pense que je suis bon dernier parce que j'ai eu un petit problème de sacoche qui n'arrêtait pas de se décrocher et donc il a fallu que je règle ce problème là. Ça m'a pris un petit moment. Donc là je ne vois plus personne. Comme c'est roulant, je pense que les gens ont pris beaucoup d'avance. Eh ben tant pis, on va rouler tout seul. h 42, 57 km, je sais pas dans quel village on est, mais j'en ai profité pour m'arrêter à la boulangerie et pour acheter un petit sandwich par la même occasion. Comme ça, ce midi, je fais pas une pause trop longue et au moins j'ai pas à chercher sur la route. Ça, c'est fait. Merci. Bon, on peut pas dire que tous les passages soient roulants, hein, comme par exemple ici. Où c'est un petit peu passage d'engin de chantier. I fell apart
a thousand times. I'm tired of thinking. It's raining, but something in your eyes is shining on me. Et qui dit Seine dit écluse. Et derrière moi, bah, vous avez une très belle grande écluse. Je sais pas si on la voit très bien. Mais il y en a plein sur la Seine. Ça, c'est plutôt sympa. Donc là, on est en forêt de Fontainebleau. On vient de monter une bonne côte à 6%. Et monsieur, qu'est-ce que tu fais? Bah, je regarde le Tour de France. Putain, mais profite! Bah non, c'est chouette! Bah ouais, je profite! Les fameux rochers de Fontainebleau. On y est. Oui, là, on est au kilomètre 87. Kilomètre 95. 95 ouais. Non, 93. 93. Kilomètre 93. C'est parce que t'as dû couper. C'est le ravito. Ça se passe bien? Ouais. Petit ravito surprise avec un petit peu de café. Wow. Un petit problème de trace? Non, bah je sais pas. Alors oui, du coup, peut-être. Il y a une petite modification à faire, ouais, qui a dû m'échapper. Ah. Mais c'est rien, c'est un pont tournant qui est pas tourné dans le bon sens. D'accord. Ça t'a mis, t'as pas réservé? Non, j'ai pas réservé. Mais c'est pas grave, il y a juste un tout petit détour à faire. Donc j'envoie la correction. Bon, personne n'est perdu. Ben ça, tu sais, en tout cas, ils se sont pas manifestés. D'accord. Sur les traces, enfin sur les balises, tout semble ok. Tout semble ok. Okay. Je crois qu'il y en a derrière. J'en ai dépassé pas mal à un moment donné. Et je pense que je vais tracer sans m'arrêter pour manger. J'ai mon petit sandwich derrière. Ah, bien joué. Voilà, je me suis dit, je vais pas perdre de temps. T'as dévalisé toi aussi la boulangerie? La boulangerie, ouais, j'ai pris le sandwich. Je me suis dit que je vais le manger sur la route. Parce que d'habitude, je passe une heure à m'arrêter. En fait, je finis bon dernier et c'est pas possible. J'ai décidé d'avoir une tactique différente aujourd'hui. Voilà. Bon, allez. Objectif Saint-Lié? Non, pas du tout. Moi, je vais un peu plus tôt, 180 km. Ouais. Il y a un camping, le camping des joyeux campeurs, je crois. À Romy. Exact, oui, ça doit être ça. Voilà. Moi, je m'arrête pas. Je ferai bon plan. La suite demain. Ah, je me suis dit 230, je sais pas si j'en étais capable. Ouais, bah c'est, de toute façon c'est au choix. Moi j'ai fait mon premier 200 gravel en faisant ça, en poussant, parce que j'étais avec Mike, mon pote avec des cycles Chaillé là. Et il m'a dit non mais si, il faut pousser jusqu'à Saint-Lié. Et, l'année prochaine. Voilà. Ouais, l'année prochaine. Hein. Ça marche. Bon bah plus tard, au prochain ravito. Ouais. Ça roule. km et je commence à me sentir un petit peu seul. En fait, j'ai préféré ne pas m'arrêter pour manger vu que j'avais pris un sandwich avec moi et en grignoter petit bout par petit bout le long du chemin, histoire de pas perdre trop de temps. Mais en fait, j'ai perdu tous mes compagnons de route. C'est comme ça. Mais au moins j'avance, même si j'avance pas très vite. Petit peu de route là, ça fait du bien. Je ne sais même pas où j'arrive. J'ai mal au cul. C'est kilomètre 124, j'ai mal au cul. Voilà, je tenais à le dire. Juste derrière moi, et ben ce n'est pas la Seine, enfin
c'est les eaux de la Seine, mais c'est un canal de dérivation pour les péniches. Voilà, ça évite aux péniches de passer sur la Seine et ça leur permet d'être dans un endroit exprès pour elles. Et puis j'imagine que pour s'occuper des écluses, il faut du personnel. Et ça, c'est sans doute la maison de la personne qui s'occupe de l'écluse de Mesles-sur-Seine. Allez, pour le plaisir de vous montrer, parce que c'est quand même très très joli tout ça. Alors, normalement, je suis plus qu'à 3 km du gros ravito qui a lieu à Beaulieu, je crois. Et après, il me restera 10 km pour atteindre mon camping. J'ai mal au cul, je vous le cache pas. Je suis content d'avoir fait une trace qui fait que 180 aujourd'hui et non pas 230 pour aller à l'aire de bivouac que Scoop avait prévu, parce que je sais pas si j'aurais réussi à le faire. Je suis content que ça s'arrête, histoire de reprendre correctement demain. Là, ce qu'on voit devant, c'est les cheminées de la centrale atomique de Nogent-sur-Seine. Et pour la petite info, eh bien, je prends la route pour aller jusqu'à Pont-sur-Seine, où j'ai mon camping. Je continue pas la trace, parce qu'en fait, elle est inondée. Le truc, c'est que pour les JO de Paris 2024, les écluses ici ont ordre de retenir au maximum l'eau afin qu'elle ne se déverse pas sur Paris et ne la pollue pas, bien évidemment. Alors, y a pas mal de zones qui sont inondées. Bon, ben voilà, je viens d'arriver au camping, poser mon vélo. J'ai récupéré une petite pizza. Et là, il est temps de monter ma tente. Deuxième jour, je viens de me lever. Je vais me brosser les dents. Un petit peu d'hygiène ne fait pas de mal. Et la nuit n'a pas été super parce qu'il a plu toute la nuit, donc j'ai pas hyper bien dormi. J'étais réveillé vers 2-3 heures du mat, donc ça a été un peu juste. Et le problème, c'est que là, ma tente est mouillée, mes affaires n'ont pas séché, notamment ce que je mets sur moi. Donc ça, c'est un peu pas cool. Voilà, donc vous pouvez le voir ici, j'ai mis mes affaires à sécher. Voilà, je vous donne un petit truc, toujours à voir. Un petit peu de cordelette d'alpinisme ici pour faire un fil à linge. Ça, c'est assez pratique. Voilà, et puis je suis en train de tout replier. Pardon. Et puis je suis en train de tout replier pour remettre tout ça dans mes sacoches, essayer de secouer pour que ça soit le moins mouillé possible et remettre les choses dans l'ordre. Et puis après, on va repartir parce qu'on a quand même 159 km aujourd'hui et pas partir trop tard. Bon, après, ce que je me dis, c'est qu'il a plu cette nuit. Peut-être qu'il pleuvra pas aujourd'hui. Et ça, ça peut être la bonne nouvelle. Ça, je vais sécher sur mon vélo, comme on dit. Voilà. Allez, en route. Eh bien, il est 8h17. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais pour remballer toutes mes affaires. Et là, maintenant, il s'agit de sortir. Mauvaise direction. Pardon. Et maintenant, il s'agit de sortir de la ville et puis de rejoindre la trace qui a été concoctée par l'équipe de Scoop pour éviter les inondations. Donc je pense que ça va être de la route. Mais avant, je crois qu'il y a une petite boulangerie sur le chemin. Donc je vais m'arrêter quelques secondes. Bonjour. Bon, je pensais être tout seul et finalement, j'ai retrouvé du monde. À quelques pas de mon camping. Et ça, c'est plutôt cool. On va pouvoir faire un peu de route ensemble parce qu'hier je me suis bien fait chier à rouler pendant 5 heures tout seul. Ah non mais c'était horrible, c'était horrible. Une trace ma foi bien sympathique puisqu'on peut retrouver ici du chanvre. J'ai déjà perdu mes compagnons de voyage qui tracent comme des gros malades. Donc moi j'ai pas le rythme, je ne suis pas. Et on est sur de la route. Parce que là, c'est la trace alternative
enfin la trace alternative un peu obligatoire pour éviter toutes les inondations. Donc c'est de la route. Et je vais dire que quand même le matin, ça fait du bien de pas tout de suite être dans la boue. Et puis c'est assez joli, avec un côté les nuages de pluie et de l'autre côté un semblant d'éclaircie. Et pour l'instant je me dirige plutôt vers le semblant d'éclaircie, ce qui est bon signe, espérant que ça se tienne. Je vais profiter de ce petit moment qui roule sur le bitume pour vous parler des deux dernières améliorations que j'ai fait sur mon vélo. Alors tout d'abord, j'ai changé la potence pour une potence suspendue, une Redshift Shock Stop. Voilà. Alors pourquoi j'ai choisi cette marque de potence ? Eh bien parce que c'est la seule marque de potence suspendue qui fait du 1 pouce 1 quart. Et oui, la douille de direction chez Canyon fait 1 pouce 1 quart. Donc si jamais vous avez un Canyon et que vous voulez mettre ce genre de potence, et ben il n'y a que la Redshift. Alors ce que j'en pense, ben, c'est plutôt pas mal. Alors on s'en rend pas trop compte de l'effet. C'est quand on reprend un vélo normal sans potence suspendue, là on sent vraiment la différence. Et au niveau de la fatigue, ben, hier j'ai fait 183 km. Et ben finalement j'ai pas eu trop de douleur dans les épaules comme je peux avoir d'habitude. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Et l'autre amélioration que j'ai fait sur mon vélo, spécialement pour ces épreuves de bikepacking, c'est de changer le plateau SRAM que j'avais en 40 dents, pour passer sur un plateau en 36 dents. Alors j'ai pris un Crowder comme marque de plateau, une marque taïwanaise, je crois. Sauf que j'ai fait une erreur. En fait, j'ai écouté leurs conseils et ils m'ont conseillé un plateau avec 3 mm d'offset, et en retirant le plateau SRAM que j'avais, et bien c'est un 6 mm d'offset. Alors c'est pas hyper grave, sauf que la chaîne, quand elle est sur le grand plateau, sur le grand pignon, elle est plus tordue qu'elle ne devrait, donc je pense que sur le long terme c'est pas une très bonne idée. Donc voilà, si vous avez vous aussi un groupe SRAM ETAP Access Explorer avec un écartement entre les haubans à l'arrière de 142, et bien sachez que l'offset, si vous voulez changer votre plateau, c'est du 6 mm et non pas du 3 mm. Voilà pour l'info. Ah, cette gamelle! Et ouais! Non, je vais bouffer! Oh la vache! Bon, là, je suis avec Clotilde et Marie. Et on est dans la galère parce que c'est plein de gadou. Et c'est chute, et chute sur chute. Et il y a aussi des moustiques partout, alors on peut jamais s'arrêter. Parce que sinon, on se fait dévorer. Et il y a encore des moustiques. C'est Koh-Lanta. C'est ça. Alors ce stage commando, ça se passe bien ? Écoute, pas trop mal. J'espère qu'on arrivera avant 3h du matin. Ça passe ou pas ?
Ça va, moi? Oui, tu m'as l'air propre, frais, toujours en crocs. Vous avez vu qu'il y avait une petite gueule au bois juste à côté? Où ça? Bien sûr. Ouais, c'est dégueulasse ce que t'as fait. Il y avait un vomi, normalement, en juillet, c'est sec. Non, mais là, en plus, t'as les arbres qui sont tout en travers et tout. Mais c'est rigolo. Mais oui. C'est enfin. C'est là, le ravito? Ouais, c'est là. Ça reste mécanique. Petit ravito. When I look at the sun going down to other skies. Vous avez payé finalement? Ouais, c'est vrai. Oh, c'est la police. Bien sûr que je vous filme. On a payé. Ah, mais la délation. J'ai payé. Ah, les mecs ont essayé de. Les mecs ont essayé de pas payer. C'est moche. But the new state of mind, a place I never heard of. I will walk like a nomad. I've been stuck inside my house too long. Première vraie côte de la journée. Il en reste encore 9. Et qu'on est au kilomètre 98 ou 99. La fin du parcours va être un peu plus dure. Non, mais sûrement, hein. Mais bon. Bon, bah malheureusement, des fois, on n'a pas les jambes. Avec un vélo à 18 kg, plus moi qui ne suis pas léger, sur une pente à 18%, ça passe pas. Je suis pas le seul. Au moins, ça permet de regarder le paysage, c'est assez joli. On est dans les vignes, c'est hyper beau. Allez, courage! 18%! Est-ce qu'on l'a mérité? J'espère qu'il y a une bière en haut, du champagne. Ouais, il y a trois coupes qui nous attendent. Et là, c'est un ravito sauvage. Je me suis fait arrêter par des brigands. Ça pour récupérer des cacahuètes. Hein? Raquette! Raquette! Ah, mais il y a surtout un truc énorme. Circuler. Ah, c'est un vélo. Ravito champagne! Ravito champagne! C'est énorme. Et ça, c'est gravel. Hein. Ouais, un demi-verre. Hein. Bah oui, des petits verres. Non, c'est plus récurrent. Non, il est vendu 40. Ouais, pour ceux qui aiment les vélos, un petit exemplaire d'un Triban Titane. Voilà. Regarde, 43. Ah ouais. Et un Triban Gervel 520. Voilà, mais là, ça passe limite. Hein. Un petit endroit trop mignon, on est dans une petite ville trop choupinette où a priori Renoir doit avoir quelque chose à voir avec ici parce qu'il y a des trucs de Renoir partout. Peut-être qu'il y a vécu, peut-être qu'il l'a peint, je ne sais pas. Il reste normalement 13 km et encore deux petites montées. Je peux vous dire qu'aujourd'hui j'en ai un peu plein le c'est quelque chose. Voilà. Non, mais sinon c'était chouette, hein. Il y a eu des beaux paysages. C'est vraiment joli, la trace est vraiment très très belle. Dommage que le temps soit pas de la partie, mais je crois que c'est un peu partout pareil cette année. Sous le soleil, ça doit être magnifique. Allez, du courage, du courage, du courage. Bon bah voilà, fin de la deuxième journée. Il est 22h et quelques, je viens de bouffer au restaurant.
avec les copains rencontrés sur la trace. Et là, je suis dans ma tente et je vais donc me coucher. Allez, bonne nuit. Un petit matin du jour 3. Il est temps de plier la tente parce que je suis un petit peu en retard. Il est 7h11. Hier, j'en ai profité pour remettre de la wax sur ma chaîne parce que je commençais à faire un petit peu quick. Et puis, on va partir pour une nouvelle journée un peu dure aujourd'hui, 118 km si mes souvenirs sont bons, avec quelques 1600-1700 de D+. Donc ça va un petit peu piquer dans les jambes. Ça va être plus court, mais ça va piquer plus. Puis toujours autant de matos à porter. Et puis ce soir, il faut arriver à trouver un petit Karcher pour nettoyer ce vélo qui est un petit peu dégueu. Il est 8h22 exactement et je viens de partir du camping. Et là, je me mets en route pour chercher une boulangerie pour faire le plein de nourriture parce que sur le tracé du jour, il n'y a pas de village ou quoi que ce soit. C'est un peu zone blanche comme on dit. Et donc il va falloir récupérer des victuailles juste avant. Donc je cherche une boulange. Bon bah j'ai trouvé, mais a priori c'est la seule boulangerie du coin. C'est bien la queue. Prenez pas con. C'est hyper joli, le soleil brille aujourd'hui et ça c'est plutôt cool. Un petit peu marre des journées maussades et je pense qu'on va être bien aujourd'hui. Pour l'instant il fait pas trop chaud, pile poil la bonne température. Ça tombe bien parce que j'ai perdu mon tour de cou, enfin je l'ai perdu, je pense qu'il est resté dans ma tente et donc ça doit être au tréfond d'un de mes sacs. Bon, et là, en haut de la côte que je viens de monter, il y a Élise. Élise, c'est la photographe officielle de Longue, voilà. Bonjour. Donc elle pédale en avance sur les gens, elle s'arrête, elle fait des photos, puis elle redouble les gens. Voilà, elle, c'est une warrior, quoi. Merci. Quelques semaines, j'avais publié une vidéo sur les chemins de la liberté. Et ben, au détour d'une route, regardez ce que je trouve. Une borne, une de ces fameuses bornes des chemins de la liberté. Et là, c'est la voie de la 2e division blindée. Voilà, c'est plutôt cool, petit souvenir amusant. Ça nous avait pas manqué. Je me suis arrêté en plein milieu. Hein. Là concrètement, donc là on fait un petit point pour savoir si on est les derniers ou pas. Et alors, il s'avère qu'on n'est peut-être pas les derniers. Ah, parce qu'il y en a qui sont encore à Bar-sur-Seine ou à Châtillon. Il y en a qui sont à Paris, ils ne sont pas partis. Ouais, ça, il y en a beaucoup, je crois. Ah, ça, c'est une connerie. Sortie de forêt un peu mouvementée, comme vous avez pu le voir, je me suis bien cassé la gueule. Et j'ai tordu ma selle, enfin,
Enfin, j'ai pas tordu, mais la tige de sel. Enfin, la selle s'est mise de travers, tout simplement. Oula. J'ai un petit problème de dérailleur en plus, non ça va. Donc voilà, bah, avoir les outils sur soi, ça permet de tout remettre en place très rapidement. Et on peut continuer, ça va, pas de bobo. Heureusement. Bonjour. C'est hyper joli. On se croirait dans un fond d'écran Microsoft. Tellement c'est beau. Je suis un peu perdu là. Normalement, il fallait continuer tout droit en bas, mais il n'y a pas de chemin. Donc là, je monte, espérant qu'il y ait un truc là-haut. Allez, on pousse. On pousse dans la gadoue, essayer de ne pas tomber. Ah, si c'est bon, il y a un chemin là. Ça devrait être ça. Sauvé. Wow, c'est un peu inondé aussi. C'est le bon chemin, source de la Seine. On se rapproche. Bon bah là on arrive aux sources de la Seine. Voilà. L'endroit où la Seine prend sa source. C'était un peu logique. C'est-à-dire qu'on a fait 400 bornes pour rester à Paris quoi. Ça n'a aucun intérêt. C'est ça que t'es venu chercher, mais t'es content du résultat ou pas? Eh bah ouais. Au moins je peux pas dire que je suis déçu, mais c'est déjà pas mal. Ouais. Vu mon état, c'est pas facile d'apprécier encore des trucs, et pour le coup c'est sympa quand même. Ah, c'est trop cool. Voilà, donc les sources, c'est là. C'est mignon dans les petites villes qu'on traverse. Pardon, je viens de manger un truc. Ils ont accroché des vélos partout. Je pense que c'est pour le passage du Tour de France. Dans ce petit village ici, beaucoup d'enfants se faisaient chier et avait tendance à se jeter par la fenêtre. Et ben, un des villageois a eu une idée. Il a mis un toboggan. Il me reste 28 km et je vais profiter de ce morceau de macadam, comme mes roues d'ailleurs. Mes roues qui ont bien tenu, malgré quelques descentes un peu costauds. Mais bon, c'était pas le point. L'idée c'était de vous donner envie, vous qui n'osez pas vous lancer dans une aventure bikepacking comme Along. Alors Along, c'est une aventure bikepacking que je considérerais d'un niveau facile. Facile dans le sens qu'en dehors de la distance à parcourir, toute personne qui fait du gravel peut le faire à sa vitesse. Alors mes conseils, si vous voulez vous lancer dans une aventure comme celle-ci, premièrement au niveau de la partie bikepacking, eh bien, je vous conseillerais de faire ce que vous sentez. C'est-à-dire si vous vous sentez de transporter votre tente et de dormir sous tente, eh bien faites-le, tente, tarpe, bivy, bref, si vous le sentez pas, il n'y a aucune honte à aller dormir dans un logis, dans un hôtel, dans un Airbnb, bref, au chaud, au sec. Et des fois c'est beaucoup mieux, et puis ça vous permettra d'être plus léger. Et en parlant de légèreté, eh bien prenez uniquement le strict minimum, voilà. Regardez bien la météo avant, prenez toujours une veste de pluie, on sait jamais, ça peut changer. Et puis si vous avez froid à un moment donné, vous pouvez la mettre pour vous réchauffer, et ça c'est plutôt pas mal. Mais évitez au maximum le superflu, trop de vêtements qui vous serviront pas
trop de gel, de nourriture que vous n'allez pas manger. Parce que bien évidemment, vous allez trouver des boulangeries sur le chemin et vous pourrez vous ravitailler à ce moment-là. Donc voilà, voyager léger, ça vous aidera à dépenser moins de watts et à aller plus loin. Mon troisième conseil, roulez à votre rythme. N'essayez pas de suivre les autres ou n'essayez pas d'attendre les autres. C'est une mauvaise solution, en fait. Alors c'est sympa de discuter le long du chemin pour que la journée passe plus vite, mais uniquement si vous trouvez quelqu'un qui roule vraiment à votre rythme. Moi, c'est ce que j'ai fait hier. J'avais deux filles, Marie et Clotilde, qui roulaient exactement à mon rythme. Et donc, c'est pour ça que j'ai roulé avec elles. Mais aujourd'hui, par exemple, j'ai trouvé personne qui roulait à mon rythme. Aujourd'hui, moi, l'idée, par exemple, c'était de... C'était de rouler en m'arrêtant le minimum possible, mais de pas rouler vite. Parce que je savais que ça allait être dur pour moi aujourd'hui. Et donc, j'ai préféré la jouer sécure. Rouler lentement, rouler sûrement. Mon quatrième conseil, ça sera un conseil qui concerne vos pneus. Parce que j'ai vu beaucoup de monde crever sur le bord de la route. Rouler tubeless. Moi, j'ai roulé en tubeless. Qu'une crevaison. Et j'ai vu personne qui avait un souci en tubeless durant ces 3 jours de longue. Ou à moins que je ne sois pas au courant. Mais j'ai vu des gens et j'ai vu sur le groupe WhatsApp de la sortie que pas mal de monde avait crevé. Et notamment ceux qui étaient en chambre arrière. Donc tubeless, pour du gravel un petit peu caillouteux, c'est un petit peu indispensable. Si vous voulez pas pincer, si vous voulez pas crever, montez vos pneus en tubeless. Vraiment. Et mon cinquième conseil, là au milieu de ces magnifiques champs de blé, c'est surtout arrêtez d'hésiter et lancez-vous. Lancez-vous, et même si vous n'arrivez pas au bout, c'est pas grave, il y a des trains, vous pouvez remonter sur Paris. Il y a Thomas Cambouliv du PGR qui est lui remonté sur Paris parce qu'il avait un problème de genou après la première journée. Et il n'y a aucun souci avec ça, il n'y a pas de honte, c'est pas grave, et vous ferez mieux la prochaine fois, voilà. Mais lancez-vous, tant que vous ne vous lancez pas, vous ne pouvez pas savoir. Et dernier conseil que je pourrais vous donner, tout en longeant ce magnifique canal de Bourgogne, donc ça fera 6 conseils, c'est manger et buvez régulièrement. Voilà. Si vous voulez aller loin, il faut donner du carburant régulièrement. Et donc c'est la meilleure chose à faire, manger en petite quantité, mais souvent. Voilà, et avant de prendre le train demain, et notamment d'aller à l'hôtel ce soir, petit coup de carwash, le vélo brille un peu. Comme un chien. Bon, ça y est, je suis arrivé, j'ai été au bout, et ça c'est cool. Et la fête peut commencer. Enfin, je vais aller prendre ma balise, peut-être me laver, puis on verra après. Ouais, à l'instant. Merci. Là, t'as la bière, le repas, la tombola. Super, merci. Bon, je suis avec Jean-Pierre, Jean-Pierre qui organise. Pas Jean-Pierre, Pierre-Charles. Putain, pourquoi Jean-Pierre? Ah, excuse-moi, je suis nul. Il est fatigué. Non, je suis nul. Je suis donc avec Pierre-Charles qui a organisé toute cette trace, cette aventure assez géniale, qui était au ravito avec le champagne, à tous les ravitos. Ouais. Est-ce que tout le monde est bien arrivé? Tout le monde est bien arrivé. Ouais. Et c'est plus important. Qu'est-ce qui t'a donné? C'est toi qui as créé Elong? Ouais, c'est moi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cette course? J'habite à Dijon. Et j'ai grandi en région parisienne. Quand je suis arrivé à Dijon et que je me suis aperçu que les sources de la Seine n'étaient pas loin, je me suis dit, faut faire un truc. Quoi. Et donc, c'est comme ça que c'est parti. Quoi. D'accord. Bon, il y a combien de personnes? Alors, j'ai pas le décompte. Alors, c'est 99 personnes maximum. Et là, au départ, il y avait 82 ou 83, je ne sais plus exactement. D'accord, il y a eu des bobos, il y a eu de la casse, il y a eu... Il y a eu de la casse mécanique, il y a eu des petits bobos, rien de grave, tout le monde est vivant, c'est le principal. D'accord. Si tu avais un conseil, est-ce que Elong, c'est faisable par un débutant en gravel? Alors, c'est une bonne question. En fait, ça dépend de l'année. Vous avez eu l'année la plus difficile.
J'ai toujours dit oui, c'est roulant. Bah, vous avez vu que c'était pas roulant cette année parce que bah il y a eu des gros intempéries et ça métamorphose la trace et ça métamorphose la difficulté de l'événement. Mais c'est quand même un événement qui est pensé pour voilà la trace de 450 ça, en 3 jours, c'est des segments de 150. Ça reste un gros challenge. Mais c'est faisable. Moi j'ai eu des gens qui sont partis avec l'année dernière il y a quelqu'un qui était avec un sac à dos qui avait jamais fait de backpacking, avec un sac à dos d'écolier et il est arrivé, il était en chambre gonflé à 6 bars. Il est arrivé au bout, il avait pas de matos et en fait il est arrivé comme ça. On a tendance justement à se focaliser sur le matériel et en venant comme ça il est arrivé très bien. Il a réussi. Donc voilà, donc quelqu'un n'importe qui peut le faire. Voilà. Alors peut-être que il avait peut-être un passif sportif important, je ne connais pas sa vie, mais voilà, il y a des gens quand même qui, plein de gens pour qui c'était leur première expérience bypassing, il y a plein de gens pour qui c'était le premier 200 parce qu'il y avait un peu ce challenge du bivouac à 230 km. Moi je l'ai pas fait. Hein. Mais voilà, t'arrives tard, mais c'est l'occasion. Enfin, moi j'ai fait mon premier 200. Sur la reconnaissance, la première reconnaissance il y a 3 ans. Mon premier 200 gravel, c'était là-dessus. Quoi. Puis il y a des filles aussi, voilà, ouais. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le gravel, et il y en avait là sur un long, ouais. Et ça fait plaisir. Ça, c'est important, alors je réserve toujours des. Parce que les places partent très vite, mais je réserve des places pour les femmes qui sont bloquées en attendant que. Qu'elles s'inscrivent, des fois c'est un peu plus long et voilà, c'est une volonté qu'il y ait des femmes. Ouais, c'est bien. Ouais. Bon, bah voilà. Et bah, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine. Pensez à vous abonner à la chaîne, un pouce levé, enfin blablabla. Et puis, on se dit ciao! Ciao!